Situation tension sur frontière Haïti avec République dominicaine dans ce dossier la rivière massacre la tourné encore depuis quelques jours autorité l'autre bord zilean a pas posé une série action sur frontière là sans bail explication claire sur qui ça qui caché derrière yo viré tourné divers points frontaliers officiels a fermé bon côté dominicain parmi yo frontière d'Arabon nan date 6 septembre 2023 passé hein si la presse locale dans pays voisin soulevé question insécurité sans bail trop détails pour Fondation Zile, dossier la rivière Massaclan, c'est yon parmi gros dossier qui la cause décision sa yo. En suivant un reportage, un dossier avec un collaborateur nous, Michli Alexis. Gouvernement dominicain, le président de la République, et Bailon ferme frontière. Tension ça entre des pays yo, commencé dans le deuxième trimestre l'année 2021, sorti mois avril pour arriver mois mai. Qui sa période sa manqué? Eh bien, c'est commencement travail construction yon canal irrigation qui pourrait permettre yon bon parti dans plein Maribao en Haïti joindre de l'eau qui nécessaire pour planter haïtien yo capable produire manger. Mais pour ça arriver fait, canal irrigation ça doit prendre yon parti dans de l'eau la rivière Massacla qui servit frontière entre Haïti et République Dominicaine dans partie nord-Iléa. Ça qui bat yon secteur bien déterminé dans pays voisin en pile problème pour accepter une initiative comme ça. Et d'une parison, c'est directeur exécutif Fondation Zile. À l'époque, et des groupes ultranationalistes étaient levés campés en République dominicaine, ils ont fait manifestation à Darabon, ils ont décidé même de rentrer en territoire et haïtien pour empêcher que le canal SAL continue à construire. Malgré que les deux parties, sur le plan bilatéral, ont fait une rencontre de travail avec des officiels, avec des techniciens, et compétent dans le domaine hydraulique, dans le domaine ça, pour que yo clair sous ça qu'a fait. Alors, ce que l'autorité dominicaine yo a utilisé l'eau la rivière Massacla pour même raison, en hein, construit 11 canaux d'irrigation, Haïti sous Bopal pral à peine sous yon seul grain de construction. Côté froid, ça, c'est sous initiative habitant plusieurs localités qui a fait face à yon situation sécheresse. La République dominicaine a pu utiliser ça à 60%, il y a 11 prises déjà. Et Haïti, c'est la première fois que la font prise la donne. Il ne s'agit pas d'une initiative gouvernementale, sinon c'est des agriculteurs, des habitants de la zone qui cap géré en situation de sécheresse, qui voient que et au sous ça important pour leur survie, et puis ils décident de par eux-mêmes relancer les travaux pour arriver prendre prise là. D'après ancien diplomate haïtien, c'est président dominicain Luis Abinader qui baille l'ordre pour fermer frontière d'Abondant, yon façon pour faire pression sur dossier ça. Gouvernement dominicain, le président de la République, baille l'ordre fermer frontière tout autant et pas gain garantie du côté haïtien que travail ça li fini. Donc c'est peut-être ça. Il y a une fermée frontière d'Arabon. Traité bon voisinage des pays océans 20 février 1929 montrait Haïti gain droit pour utiliser ressources naturelles ça qui séparait des pays. Le traité de 1929, traité d'amitié et de paix et c'est sous traité ça, c'est sur la base de ce traité que chaque partie dit que on gain droit à l'usage équitable de cette ressource naturelle binationale. Edwin Parizon, dans ce sens-là, dénonce l'autorité Haïti qui fait silence sur ce dossier-là. Il est important pour que dirigeants de pays mettent d'accord sur comment ils gèrent ça dans un contexte de bon voisinage, d'harmonie, de coopération et en se basant justement sur les accords signés entre les deux parties. Mais malheureusement, en Haïti, nous avons une politique de silence face à la République dominicaine. Beaucoup jamais entendu yon autorité compétente de cette administration dit yon mot sur la République dominicaine ou bien sûr les Haïtiens en République dominicaine. Pas gain bagaille comme ça même. N'a fait songer dans l'année 2021, travail construction au canal ça qui coûtait 50 millions goudes dans le trésor public là, t'es fait en campé après en plein de gouvernement dominicain, t'es fait, c'était sous présidence Jovenel Moïse. Michli Alexis, Caraïbe FM. Merci à Michli Alexis pour reportage ça.